tout le monde et aujourd'hui eh bien on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de rentrée bien improvisée et tout, la vidéo news. Enfin bon, vu que j'ai fait beaucoup de vidéos news, je pense que l'improvisation ça devrait passer. Donc excusez-moi pour le son, oui, ça fait 3 ans déjà que je fais des vidéos et ça c'est absolument génial. Enfin bon, me dites pas ce que j'ai pas fait dire, ça veut dire 3 ans pour moi c'est encore trop récent, hein. 10 ans là c'est... Là 10 ans là c'est dur. On va commencer tout de suite cette vidéo news avec des grosses bousculades. Vous allez voir ça tout de suite. Bien, aujourd'hui je suis passé sur Vimeo. Puisque vous le savez, plus je vais sur YouTube, plus je vois que ça devient de pire en pire. Enfin, ne vous réjouissez pas trop, puisque comme vous le savez peut-être pas, et bien sur Vimeo tout est... on dirait c'est la Corée du Nord. Enfin non, mais non, j'ai rien dit. Enfin ce que je veux dire, eh bien, c'est que c'est très strict, les droits d'auteur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire de jeux vidéo, vous n'avez pas le droit de reprendre du contenu même libre d'ailleurs. C'est incroyable. Donc eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire, on va voir si ça va passer ou pas, les vidéos. Vu que vous savez très bien à quoi elles ressemblent. Ça, c'était le passage sur vidéo. Bien après, qu'ils deviendront des autres vidéos, hein. Je regarde le compteur pour voir si ça n'a pas bugué encore une fois, hein. Bon, qu'est-ce qui deviendra de mes anciennes vidéos de début 2014, même 2009? Eh bien, je vais essayer de les remettre sur Vimeo ou Google Drive. En vrai, je n'ai pas trop réfléchi, mais bon, je vais essayer de remettre sur ces plateformes-là et on va voir si cela marche, tout simplement. Si cela marche, eh bien, c'est génial, vous êtes content. Et si cela marche pas, eh bien, vous attendrez juste, si un jour ça arrive, que Dreamvid rouvre. Puisque tout simplement Dreamvid, voilà, c'est un peu en pause quoi, leur projet. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien Dreamvid c'est encore une autre plateforme de vidéo. Ensuite, nouvelle information, même un nouveau bousculement quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça là, parce que voilà. Donc, oui, Arnodon n'existera plus, tel, et Arnodon se transformera donc, comme vous pouvez le voir. Dans les côtés, en orbide. Orbide. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire orbite, orbital, enfin on va dire les trucs dégueulasses. Vous m'avez bien compris, Edine, eh bien ça veut dire simplement les vidéos, etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement ça s'appelle orbide. Eh bien parce que orbide maintenant est intégré dans le groupe qu'on appelle ici même ABCDUF. Voilà, ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir. Et pourquoi, eh bien, j'ai créé tout ce bordel-là? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, sur Internet, j'ai envie de faire d'autres choses, d'autres projets, comme vous allez le voir plus tard. Mais bon, voilà, j'avais envie de me diversifier un peu, et c'est pour ça donc que j'ai créé ABCDEF, le groupe ABCDEF, quoi. Voilà, avec, donc, déjà Orbid, mais après, le projet de le carton, mais ensuite aussi, la partie identité visuelle, etc. Enfin bon, bref, voilà. C'était juste pour vous dire que si vous voyez que ça s'appelle Orbide, eh bien c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps, c'est génial. Ensuite, l'identité visuelle de cette chaîne-là, je le rappelle. L'identité visuelle, les génériques de début, de fin, etc. Donc, pour l'identité visuelle, eh bien, comme comme je l'ai dit avant, eh bien, il ne change pas beaucoup, hein. Il ne change pas beaucoup à part quelques détails par-ci par-là, mais bon, voilà. Ça, c'était l'identité visuelle. Ensuite, parlons des nouvelles émissions. Non, déjà, eh bien, je vais vous révéler le nombre de vidéos que j'ai préparées à l'avance et qui aura probablement, c'est probablement sûr, cette année. Alors, cette année, il n'y aura pas 11 ou 12 vidéos. Non, en fait, je m'en rappelle plus. Enfin, je crois que c'est 8 ou 9 vidéos. Non, 8 ou 9 vidéos, voilà, c'est ça. C'est génial, non? Et sur ces 8 ou 9 vidéos, eh bien, il y aura une émission qui est nouvelle, quoi, voilà. J'ai oublié le mot, voilà. Une émission qui est nouvelle et qui d'ailleurs racontera. D'ailleurs, moi je vous révèle même pas le nom puisque. De 1, je l'ai oublié et de 2, je vais pas vous spoiler. Hein. Bordel. Et cette nouvelle émission, eh bien. C'est une émission.
question un peu d'histoire. Histoire sur à peu près les choses qu'on ne s'intéresse pas dans notre vie, etc. Enfin, vous allez bien le voir justement quand le temps sera venu. Cette nouvelle émission sur l'histoire, eh bien, sera une des nouvelles émissions de cette chaîne-là. Voilà. Et bien sûr, comme je pense que je l'avais dit en jouant maintenant, eh bien, c'est que voilà. À cause de YouTube, le traumatisme, etc., les trucs de pire en pire, etc. Voilà. Mais pas vous le cacher, eh bien, toutes les vidéos seront bâclées. Voilà. Enfin, pas bâclées au point que ce sera en qualité 480p, etc. Enfin, bon, bref. Voilà. Ça en parle de ce point-là, mais bon. Voilà. Si vous voyez que le contenu est moins bon qu'avant, eh bien, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Et ce contenu est bâclé aussi, puisque, tout simplement, je prépare le nouveau projet. Le nouveau projet qui est dans les cartons. Et qu'en est-il de l'avancement de ce projet? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que ça avance. Hein, ça avance, mais voilà, faut encore régler 2-3 petites choses. Enfin, 2-3 petites choses, je veux dire, beaucoup de choses, quoi. Enfin, ça avance et il va être prêt pour... fin de l'année, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était tout pour ces news, pas de la chaîne, puisque bien évidemment on est plus sur YouTube, bien évidemment. Bordel. Là je suis plus dans le calme, voilà. C'était tout pour ces news de septembre 2017. Et en espérant que vous allez passer une très belle saison. Et sur ce, et bien, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, c'est à la prochaine. Et ciao tout le monde, hein. Et... voilà, quoi. Ouais. À bientôt, c'est à la prochaine.